Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Point sur la tournée de sensibilisation de Cap 2015. Ce regroupement de partis politiques réussira-t-il à établir un rapport de force face au pouvoir afin d'obtenir les réformes politiques tant souhaitées? Et je le disais, Francis Pedro Amouzou, membre de la cellule de communication de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, membre de Cap 2015, et sera ou bien est déjà en ligne en direct depuis Lomé et sera face à la diaspora. Francis Pedro Amouzou, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à vos auditeurs. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Vous êtes déjà face à la diaspora. Dans une quinzaine ou vingtaine de minutes, vous pouvez participer à cette émission, à ce débat ou à cet échange avec Francis Pedro Amouzou depuis Lomé au 00 41 62 834 90 80. Eh bien, Francis Pedro Amouzou, Cap 2015 a entamé depuis la semaine passée une tournée de sensibilisation, de mobilisation. Alors, pourriez-vous nous faire le point sur cette tournée et l'objectif visé, Pedro Amouzou? Exact. Ce n'est pas depuis la semaine dernière, mais c'est depuis un mois que nous sommes en tournée nationale. Ensuite, c'est-à-dire Cap 2015 a entamé une tournée nationale qui a commencé par Sokodé, Dapaon, Mango, Assoli, Atapame, Amlame, Kalimé, Kévé, Tablibou et Enfouin et Noché. Alors, depuis un mois, nous sommes à l'intérieur du pays et pour expliquer aux populations, faire le bilan de la lutte politique au Togo aux populations et leur redonner la parole pour nous enquérir de ce qu'il faut encore faire pour que la lutte puisse aller à son terme, c'est-à-dire arriver véritablement à l'alternance dans notre pays. Francis Pedro Amouzou, pensez-vous vraiment, lors de cette tournée de sensibilisation, que le peuple manque de mobilisation, de sensibilisation, puisque certains Togolais estiment que le peuple est conscient, mais que c'est plutôt l'incohérence de l'opposition et dans ces diverses actions qui démobilise le peuple togolais? Je dirais oui et non. Le peuple, oui, parce que le peuple est un peu démobilisé, parce que effectivement il y a des incohérences dans la classe politique togolaise, surtout de l'opposition. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas compris que l'opposition togolaise est une chienlit, c'est-à-dire il y en a qui se disent de l'opposition, mais qui fricotent tout le temps avec le pouvoir et qui traînent la lutte héroïque que le peuple togolais a enclenchée depuis le 5 octobre 1990. Vous avez des gens qui disent une chose le matin et une autre chose le soir. Et ce sont ces leaders-là beaucoup de gens ont suivi. Alors que il y en a d'autres qu'on peut compter sur le bout de la main. Il y en a cette catégorie-là qui essaye de mener une lutte cohérente. Lorsqu'il faut aller à gauche, vous allez trouver dans l'opposition des gens qui disent qu'il faut aller à droite. Sans véritablement porter les aspirations du peuple togolais. Je vous donne un exemple simple. La question sur les réformes politiques. Vous savez que l'opposition est allée en conclave. Avant d'aller en conclave, il y avait un plan A et un plan B. Le plan A, c'est de faire tout pour que les réformes soient faites. Le plan B, c'est de voir si le pouvoir ne veut pas faire les réformes, choisir un candidat unique et aller aux élections, battre le pouvoir en place et faire les réformes. Pendant 3 mois, le peuple, les leaders de l'opposition sont allés en conclave. 3 mois, on a vu que le pouvoir ne veut pas faire les élections. Il reste la solution B.
La solution B, c'est de choisir un candidat unique. Lorsque les gens ont senti que ce n'est pas eux qui doivent être les candidats uniques, ils sont sortis du conclave et ils sont venus et ils ont claironné sur les antennes que ceux qui étaient restés au conclave, c'est eux qui ne voulaient pas les réformes. Et ça a mis à la lutte. Ça a mis effectivement à la lutte. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est pas pour les réformes que les gens ont refusé d'aller à l'élection présidentielle. C'est parce qu'ils n'avaient pas les possibilités d'aller à cette élection-là qu'ils ont torpillé la lutte populaire. Mais même dans la diaspora, beaucoup de gens nous ont insultés. Et pourquoi vous êtes allés aux élections sans les réformes? Oui, Francis Pedro, je suis désolé de vous interrompre justement sur ce cas-là. CAP 2015 avait soutenu et pas de réforme, pas d'élection. C'était cette communication qui a embrouillé la population, je pense. Écoutez, nous sommes en politique. Je ne sais pas, l'ANC n'a jamais dit sans réforme, pas d'élection. Nous sommes en politique. Lorsque vous avez un plan A et que le plan A ne réussit pas, vous prenez le plan B. Vous prenez le plan B. Et est-ce que les gens n'ont pas vu que nous sommes allés à cette élection, nous sommes allés démontrer à la face du monde que ceux qui sont au pouvoir étaient des fouleurs d'élection. Les gens n'ont pas vu ça. Nous avons les preuves tangibles aujourd'hui. Parce que depuis toujours, on nous dit, pas les preuves, vous n'avez pas les preuves. Aujourd'hui, nous avons les preuves que le pouvoir vole les élections. C'est pour cela que personne ne nous demande plus les preuves. Et moi qui vous parle, je suis vice-président de la CENI, j'ai toutes les preuves tangibles aujourd'hui. Et Fon Yassine circule, mais il sait, partout où il passe, que tout le monde sait qu'il est un voleur d'élections. Alors, tous ceux qui ont claironné que nous avons fauté en allant aux élections, où ils sont maintenant? Dites-moi où ils sont. Je vais les citer. Et j'attends celui qui va me contredire. Je vais les citer. Le cas, il est où? Voyez ce qui se passe au cas. Obi, il est où? Voyez ce que Obi est devenu. C'est eux qui ont couru pour aller rejoindre le pouvoir. Pieds, poings liés sur la tête. Ceux qu'on a livrés à la vindicte populaire, c'est eux qui sont devant. Nous, on vient de faire toute une tournée nationale. Les gens sont d'accord avec nous. Alors, ce que vous voulez, en politique, il faut savoir saisir les occasions. C'est ce que nous avons fait et nous répéterons cela s'il le faut, parce que nous sommes en politique. D'accord. Eh bien, chers auditeurs de Fenders l'Afrique, dans une quinzaine de minutes, vous pouvez soumettre vos questions directement à Francis Pedro Amouzou, membre de la cellule de communication de l'ANC, membre de CAM 2015. Il est également vice-président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante au Togo. Et justement, vous parlez de tournée. Et en quoi cette tournée peut-elle impacter la revendication des réformes, vu que la méthode de la rue ne semble pas déranger le pouvoir? Francis Pedro Amouzou. Oh, mais qui vous dit que ça ne dérangeait pas le pouvoir? Je vous dis que quand nous étions à Sokodé pour faire ce meeting-là, si ça ne dérangeait pas le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé à Sokodé? Ils ont sorti les gendarmes, ils ont sorti la police, ils ont sorti les douaniers, ils ont arrêté toutes les motos pour ne pas... pour bloquer la population de sortir. Malgré tout, nous sommes sortis et dans la pluie encore, il y a tout. Et les gens sont en liesse. Les gens sont d'accord avec nous. À Dapan, le préfet a voulu bloquer le meeting. Pourquoi le préfet a voulu bloquer le meeting? C'est parce que le meeting les dérangeait que le préfet a voulu les bloquer. Nous sommes allés débloquer la situation à Dapan. Nous avons tenu un meeting à Dapan. Et les populations se sont exprimées. À Mango, il y a des ministres qui sont sortis. Comme à Sokodé, trois ministres sont allés à Sokodé. D'autres ministres sont allés à Mango. Mais il fallait voir la foule. Mais vous avez Internet, hein? Regardez vous-même les meetings que nous avons tenus. Et vous avez eu, nous avons donné la parole aux populations. Vous les avez écoutées? Toutes nous ont dit, il faut une révolution.
il faut que nous nous mettions dans la rue pour réclamer nos droits. Alors, vous dites que les populations sont désabusées? Non. Moi, je dis que les populations ne sont pas désabusées. Les populations ont été trompées par ceux-là qui se disaient de l'opposition, mais qui fricotaient tous les matins avec le pouvoir. Et je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Mmh. Et je suis désolé de dire ça. Il y en a même dans la diaspora qui nous ont critiqué sans savoir ce qui se passait réellement. Parce que nous sommes sur le terrain. Et nous sentons ce qui est sur le terrain. Quand il y a quelque chose, tout ce que nous demandons, nous ne sommes pas Dieu, mais posez-nous des questions. Et si ça ne va pas, nous vous répondons. D'accord. Nous critiquons comme on l'a fait, alors que nous avons raison de prendre cette logique-là était une chose. Mais nous, ça ne nous décourage pas. D'accord. Francis, ça ne nous décourage pas. Francis, ça ne nous décourage nullement. D'accord. Regardez, depuis là, nous sommes sur le terrain. Vous avez vu encore un autre parti sur le terrain, plus que le CAP 2015. Il y en aura. Il y a des partis politiques qui sensibilisent également. En tout cas, ce n'est pas là le débat. Et la diaspora, elle est nombreuse à l'écoute de cette émission. Moi, je le vois d'ailleurs dans le système de Canal K. Et la diaspora est très nombreuse et scotchée sur le 3W.canalk.ch, sûrement sur FM Liberté et Radio Deningba également qui s'inclut dans cette émission. Alors justement, quand on parle de cette tournée, alors vous avez donné la parole au peuple de s'exprimer. Et justement, des participants à vos meetings, que ce soit à Dapon, à Tarpamé, Palémé, Sokolé, un peu partout, des Togolais se sont exprimés sur la réorientation de la lutte, là. Et alors, Francis Pedro, est-ce que vous les avez écoutés? Quel enseignement tirez-vous de cette tournée, justement? Nous ne sommes pas surpris du tout de ce que la population nous a dit. Nous pensions réellement qu'il faut se mettre en route. On dit, quand on refuse, on dit non. Ça, c'est Amadou Kourouma qui l'a écrit dans son célèbre livre. Et il y a M. Stéphane Reyfel, écrivain français, qui a écrit un célèbre best-seller qui dit le titre, c'est Indignez-vous. Lorsque ça ne va pas, il faut s'indigner. Mais la distorsion que nous avons eue, les gens tiraient à Ru et à Dia parce qu'ils avaient des intérêts avec le pouvoir et annulaient tous les efforts que d'autres font pour mener la lutte. Alors, ils ont tout fait. Maintenant, eux-mêmes, ils s'en réfugient. Vous l'avez écouté? Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est les gens du CAR qui disent que eh ben, c'est parce que ils ne s'étaient pas préparés et s'ils avaient des acquaintances avec le pouvoir, ils ne sont pas allés aux élections. Ce n'est pas moi qui le dis. M. Zeph Okwete l'a dit. J'ai l'enregistrement de M. Zeph Okwete. J'ai l'enregistrement de d'autres membres du CAR. J'ai l'enregistrement de d'autres partis politiques. Donc, vous savez, ce n'est pas si facile de mener une lutte politique au Togo. Il faut être ici pour le voir. Même ce matin, quand nous avons entamé, avant d'entamer la marche et le meeting de ce matin, je vous dis qu'à 9h, il n'y avait même pas un seul oiseau sur la place. Mais dès que nous sommes sortis et que nous sommes allés vers les forces de sécurité, avec courage pour leur dire non, pourquoi vous offriez la voie? Mais vous allez voir les images sur Internet, il y a tout le monde, il y a un monde fou. Qui est sorti aujourd'hui. Est-ce que les populations sont fatiguées? Non. Les populations veulent une direction correcte, une direction avec vérité, et les populations vont sortir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous écoutons la population, nous savons qu'il faut se mettre dans la rue. Il faut se mettre dans la rue pour réclamer nos droits. Et ça, nous allons le faire. Mais pas seulement se mettre dans la rue, nous allons faire autre chose en plus que se mettre aussi dans la rue. D'accord. C'est pourquoi vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons un colloque, les 10 et 11, un colloque qui a pour thème la problématique de l'alternance politique Afrique. On va en parler. Mais bien avant cela, et comme je vous l'avais dit, et vous êtes face à la diaspora et qui est nombreuse à l'écoute de cette émission panafricaine. Déjà, je le disais, vous pouvez rentrer en ligne au 0041
62 834 90 80. Si vous êtes en Suisse, c'est le 062 834 90 80. Et nous accueillons tout de suite notre premier auditeur ou encore et membre de la diaspora ici. Et on le connaît très bien, c'est le grand frère et Samari Tchadjobo depuis l'Allemagne. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amon. Bonsoir à nous Pedro, mon frère. Bonsoir, chers collègues. Ça fait un bail. Ouais, ouais, comment va la famille? Je suis très content de t'écouter. Monsieur Amouzo, je veux revenir sur la tournée du CAP 2015 à l'intérieur du pays. Vous avez cité le centre où le CAP 2015 a passé, mais si j'ai bonne mémoire, je ne peux pas écouter Cara. Nous savons que Cara, dans le passé, a été le théâtre où le pouvoir a organisé des miliciens pour empêcher la tenue de meetings du CST et des autres partis de l'opposition. Et nous savons aussi que nos frères et nos soeurs de la CARA ou de la COSA sont des démocrates, ils veulent le changement. Avez-vous peur de passer par CARA? Pourquoi vous excluez CARA, M. Amouzou? Non, nous n'avons pas exclu CARA. C'est que nous avons fait une première programmation pour cette tournée nationale. Il y a une deuxième programmation qui est en cours où nous pensons aller jusqu'à Dampen, Drinkouka, et passer dans les localités où nous ne sommes pas encore passés. Parce que le colloque que nous sommes en train d'organiser devait nous ramener à l'ONU. C'est pour ça que nous avons fait cette programmation. Aller commencer par battre le macadam pour expliquer. Donc, nous irons partout pour que nous ayons les moyens. Mais en allant à Dapan, nous sommes passés par Cara avec nos effigies, avec tout le cortège qui est en orange, rouge et constant. Mais nous avons passé par Cara, nous sommes arrêtés à Cara. Nous n'avons pas peur d'aller à Cara. C'est vrai que par le passé, les militaires, les merveilles du pouvoir ont bloqué le meeting du CFT à Cara, mais cela ne veut pas dire. Nous sommes allés retourner à Cara lorsque pendant la présidentielle, la campagne électorale, nous sommes allés à Cara. Donc Cara n'est pas pour nous. Nous savons qu'il y a des démocrates à Cara. Nous le savons avec beaucoup plus de précision. Il y a plus de démocrates à Cara, peut-être plutôt dans certaines localités du pays. D'accord. Donc Cara ne nous fait pas peur. Nous irons faire des meetings à Cara. Collègue Samori Samari, Tchadjobo, plaisir, et tu nous verras à Cara. D'accord. Et ailleurs. Donc, avant de Samari Tchadjobo, avant de vous laisser soumettre encore maximum deux questions à Francis Pedro Amouzou en direct depuis Lomé, et on va revenir un petit peu sur cette tournée et la manière dont CAP 2015 compte mener cette lutte. CAP 2015, dira-t-on, a confiance encore à la mobilisation qui reprend. Alors du coup, Francis Pedro, en politique, on parle souvent du rapport de force, et des questions se posent également au sein de la classe politique où des citoyens se posent également cette question. Est-ce que ce regroupement CAP 2015 réussira-t-il à établir un rapport de force face au pouvoir afin d'obtenir les réformes politiques tant souhaitées? Là, on parle de rapport. Est-ce que vous en avez actuellement, Francis Pedro? Nous sommes sur la voie de remobilisation et nous mettons les moyens pour qu'il y ait un rapport de force face au pouvoir. Ça, mais je vous dis, de quel rapport de force vous parlez? Ce matin, mais si vous venez à Lomé, vous allez voir, c'est partout sécurité maritime, sécurité maritime, sécurité maritime. Et toutes les voies sont bloquées. Mais nous avons traversé la ville de part en part. Ça, c'est un rapport de force. Par le passé, et on sortait les chars. Je vous dis, aujourd'hui, il n'y a pas un seul char dans la rue. Vous ne pensez pas que c'est un rapport de force? C'est un rapport de force en bonne et due forme. Nous avons bravé, et puis on nous a dit qu'on allait tirer sur nous, on allait faire ceci, on allait faire cela. Si on avait entendu les troubadours, ben, nous ne ferons pas la marche d'aujourd'hui. Nous avons laissé les troubadours et nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous sommes en train d'établir le rapport de force. Maintenant, ce n'est pas CAP 2015 seul, non, ni ANC seul, qui va établir ce rapport de force-là. Le rapport de force sera établi
et par les partis politiques sérieux et par la population qui doit, qui veut un changement. Donc, si nous nous mettons en branle une politique et que la population ne suit pas, mais les partis politiques ne sont rien sans la population. Le rapport de force, c'est la population. Alors, vous savez, il y a Mao Zedong qui a dit qu'il n'y a aucune armée au monde, si puissante soit-elle, qui peut vaincre hein, une population. Donc, c'est à la population de savoir que, voilà, ces partis politiques-là sont des partis politiques sérieux. Nous, il faut les suivre pour aller là où le peuple veut aller. Donc le rapport de force, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans le travail que nous sommes en train de faire. D'accord. Regardez, nous devons passer à la gendarmerie aujourd'hui et dire aux forces de l'ordre, vous faites mal. Et pas le parti, ça peut se faire. C'est parce que nous avons accepté prendre les gaz lacrymogènes, nous avons accepté des massacres sur notre tête. Aujourd'hui, il est possible, aujourd'hui, au Togo, de manifester bruyamment et de passer devant la gendarmerie nationale et la police nationale. C'est un rapport de force si les gens ne le voient pas. D'accord. Nous sommes en train de marteler ce rapport de force-là. Et je prie les bonnes volontés de nous aider à aller plus loin au lieu de nous jeter la pierre. Parce que ce n'est pas facile. Monsieur Sylvain Amous, ça fait des années que je n'ai plus travaillé pour moi-même. Monsieur Jean-Pierre n'a plus travaillé pour lui-même. Madame Agou n'a plus travaillé pour elle-même. Professeur Oulou n'a plus travaillé pour... Nous travaillons pour le peuple togolais. Et personne n'est payé pour ça. Donc, lorsque nous perdons notre temps pour faire quelque chose, eh bien, tout ce que nous demandons, c'est que les gens nous comprennent. D'accord. Et que, à l'entendu, on va continuer. D'accord. Et que nous répondons. Voilà tout ce que nous demandons. D'accord. Nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des humains. C'est clair. Qui travaillent pour un pays. Et ce n'est pas facile d'être en face. Vous pensez que c'est facile pour cinq petits virus là à la CENI de braver tous les militaires qui sont là pour leur dire vous n'allez pas voler? Si nous sommes en vie, moi qui vous parle, si je suis en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. J'avais le fusil sur la tempe. J'avais le fusil sur la tempe. Mes collègues avaient les armes sur la tempe. On voulait nous forcer. Mais nous avons bravé tout ça. D'accord. Mais je crois qu'on devait prendre en compte tout ça et ne pas nous jeter la pierre comme les gens le font. Non, je ne pense pas. On ne vous jette pas cette pierre-là. Alors, Joyeux Samaritain, d'abord, vous avez encore d'autres préoccupations puisque nous allons libérer l'antenne à d'autres auditeurs. Oui. Monsieur Mouzou, ma deuxième question. Nous sommes presque fin 2016. Dans 3 ans, c'est 2020. Et nous savons tous que le pouvoir RPT unir n'est pas pressé pour que les réformes constitutionnelles et institutionnelles soient une réalité. Si les réformes ne sont pas faites, quel sera le comportement de l'ANC et de ses amis au sein de du CAP 2015 par rapport aux élections locales en 2017, si elles ont lieu, aux législatives en 2018 et enfin surtout aux présidentielles en 2020? Chers amis, un parti politique se met en ordre de bataille toujours pour aller à une élection. C'est le seul mode d'évoluer à un parti politique. Maintenant, nous travaillons pour que les réformes soient faites. Je vous dis au passage que l'année dernière, le pouvoir a voté un code pénal inapproprié. Nos députés ont fait feu de tout bois pour qu'ils ne le fassent pas. Ils l'ont fait. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 4 jours, eh ben, le pouvoir était obligé parce que nous avons essayé. Le parti a écrit aux Nations Unies pour présenter les faits. A fait feu de tout bois et aller partout. Ils sont revenus sur ce code-là. De la même manière, nous faisons pression pour qu'ils fassent les réformes. Mais dis donc, vous savez que depuis, les gens nous reprochent que nous ne sommes pas allés aux élections de 2002, c'est pourquoi on a modifié la Constitution sans nous. Vous pensez qu'un parti politique sérieux ne réfléchirait pas bien avant de dire « je ne vais pas aux élections ou bien je vais aller aux élections ?» Donc, nous apprêtons. Je vous dis qu'à l'ANC, tout est mis en branle. C'est-à-dire, il y a longtemps que pour les locales,
Il y a déjà, le parti s'est préparé pour voir. Si elle est locale, si nous devons y aller, et alors là, il faut des candidatures, il faut se préparer. Les gens sont déjà là. C'est nous qui avons travaillé sur la décentralisation et tout. Nous avons travaillé et nous avons mis en déroute le pouvoir en place. Le pouvoir voulait faire quelque chose très rapidement pour nous supplanter. Mais nous avons dégoûté ce qu'ils sont en train de faire et nous avons rendu public. C'est un travail de longue haleine. Et ce travail-là a été fait par les démographes, les statisticiens, les géographes, les historiens, que nous avons à notre sein, qui ont fait ce travail. Un bon travail. Quand même. Donc, nous apprêtons à tout. Sur les élections, nous sentons que c'est équitable. Je ne vois pas pourquoi le parti n'irait pas. Vous voulez qu'on laisse l'Assemblée nationale à ces gens-là qui vont nous malmener pour faire les réformes bidon pour que le peuple togolais en pâtisse? Non, nous ne laisserons pas ça. D'accord. Je ne parle pas au nom du parti, mais moi je pense sincèrement, Francis Pedro, que le boycott d'une élection est extrêmement grave. Surtout, d'accord, que c'est une élection législative, une élection locale, c'est extrêmement grave. D'accord. Donc, nous apprêtons à toute éventualité. Ok. Et Samarine Tayabo, rapidement, 2 minutes, vous avez une dernière question, rapidement, hein, à se mettre encore à Francis Pedro en direct depuis Lomé. 1 300 000 francs CFA, plus certains avantages que perçoit les députés togolais. N'est-ce pas un peu trop dans cet océan de misère qu'est le Togo, mon frère Amouzoum? Mon ami Samari, depuis que je suis à l'ANC, j'ai vu ce que les députés font. Vous savez, les gens pensent que 1 200 000, 1 300 000, c'est quelque chose. Si vous voyez ce que les députés font dans leur localité, c'est le député qui paye les ordonnances. En dehors que le député doit aider sa localité à évoluer. Les fédérations que nous avons, les députés, ils ont tourné à l'intérieur du pays. Dites-vous, où est-ce qu'on trouve l'argent pour aller en tournée, parler aux populations? Si les députés ne cotisent pas. Mais moi, je plains même les députés. 1 200 000, c'est rien, c'est absolument rien du tout. Parce que ce que dépense un député, c'est extraordinaire. Je vous donne un exemple. Au moment où il faut aller préparer le meeting de Dapan, c'est un député qui a voté. Vous savez, l'essence tout seul nous a coûté 250 000. L'essence tout seul, 250 000. Et ensuite, il faut aller donner quelques trucs par-ci, par-là, pour faire bouger les choses. Vous pensez que ça tombe du ciel? Ça ne tombe pas du ciel, mon ami. Ça ne tombe pas du ciel. Je plains les députés. Je plains extraordinairement les députés. D'accord. Je les plains. Donc, 1 200 000 au Bénin ici, ce n'est pas 1 200 000 qui gagne, 1 300 000 qui gagne. Sénégal, au Sénégal, ce n'est pas... au Burkina ici, ce n'est pas ça. Hein. C'est au Togo seul qu'on regarde. Vous savez le travail qu'a nos députés. Aujourd'hui, nous avons 18 députés à l'Assemblée nationale. Les 18 députés supplantent les 62 du pouvoir. Sans nos députés, les lois que le Togo se dote seront des lois vraiment factices. Ce sont des lois factices. Donc, l'émolument des députés, si moi, je suis président de la République, ce que je ne le vois pas vers là, si moi, j'étais président de la République, les députés allaient gagner au moins 3 500 000, 4 000. D'accord. On va continuer, puisque vous êtes face à la diaspora. Je le disais, vous pouvez réagir pour soumettre vos questions à Francis Pedro Amouzou, membre de la cellule de communication de l'ANC, membre de CAP 2015. Il est en ligne en direct depuis Lomé et c'est au 00 41 62 834 90 80. Justement, Francis Pedro Amouzou, actuellement le gouvernement travaille d'arrache-pied sur la tenue du sommet sur la sécurité maritime, mais justement CAP 2015 par contre organise les 10 et 11 octobre prochains, si je ne me trompe pas, un colloque sur la tendance politique en Afrique. Alors, objectif,
évaluer le présent et esquisser l'avenir du continent noir en matière de démocratie simple. On pouvait poser cette question, Francis Pedro Amozo. Simple coïncidence avec les programmes sur le sommet de la sécurité maritime. D'abord, permettez-moi de parler de l'organisation du sommet sur la sécurité maritime. Avant de répondre à votre question, trouvez-vous normal que dans un pays où il n'y a même pas d'hôpitaux, il n'y a même pas un seul scanner dans un hôpital public, dites-vous, trouvez-vous que c'est normal que le plus grand CHU du Togo, le CHU Sivanis Olympio, le bloc opératoire n'a pas de porte. Il n'y a même pas de climatisation pour permettre aux médecins de faire des opérations correctes. Il n'y a pas la lumière, la table d'opération est brinque-branlant. Trouvez-vous que c'est normal qu'on puisse sortir un peu plus de 13 milliards de nos francs pour aller faire un sommet sur la mer, alors que nos hôpitaux sont dans un état de déliquescence avancée? Trouvez-vous normal que pour un sommet maritime, on puisse bloquer l'éducation nationale, c'est-à-dire renvoyer nos enfants à la maison? Pensez-vous que c'est bon? Pensez-vous que c'est une bonne chose au moment où les paysans crient, à Coréa crient, nous voulons des engrais pour cultiver? C'est à ce moment-là qu'on trouve 13 milliards pour aller faire sécurité maritime. Trouvez-vous que c'est normal que les enseignants qui crient très fort pour dire donnez-nous notre prime de rentrée pour que nous commençons à préparer la rentrée et ils ne sont pas payés. On trouve 13 milliards pour aller faire du fonfon. C'est du fonfon. La sécurité maritime, si. Tout le monde est d'accord. Mais une sécurité maritime, on peut faire les tests et aller les adopter au sommet de l'OIA à Addis Abeba. On n'a pas besoin de faire un sommet à coup de milliards au moment où la population togolaise ne trouve même pas de l'eau à boire. Je dis que de l'intérieur du pays, c'est extrêmement difficile que les populations trouvent de l'eau potable à boire. Mais c'est ce que nous disons. Donc, la terre ne va pas cesser de tourner parce qu'au Togo, on veut faire sécurité maritime. Non. Nous sommes des partis politiques responsables, nous avons des programmes, nous cherchons des solutions pour atténuer la souffrance des populations. C'est en cela que nous pensons que, eux, il faut leur sommet, tant pis pour eux. Mais pour nous pensons que l'Afrique, et surtout notre pays, a un problème. Un problème, c'est le problème de l'alternance dans notre pays. Réfléchir sur ce problème-là, trouver les voies et moyens, des solutions adéquates pour pouvoir endiguer ce mal-là. Voilà pourquoi nous faisons un colloque 10 et 11. Nous, on ne sait même pas au moment où ils préparaient leur sommet. Est-ce qu'ils nous ont informés? Non. C'est quand ils sont prêts pour faire leur sommet qu'ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils veulent faire un sommet. Qu'est-ce qu'on gagne dans ce sommet-là? On nous dit que les hôtels seront pleins et machin. Nous, on a circulé dans les hôtels. Les gens ne sont même pas venus. Alors qu'on a gaspillé plus de 13 milliards, les gens vont se mettre l'argent dans la poche au moment où nos populations sont en train de souffrir. Nous faisons le parallèle. Tout simplement, nous disons, au lieu de gaspiller cet argent-là, les étudiants sont en train de tirer le diable par la queue. Donc, de grâce, il n'y a pas d'envie. Il n'y a rien. Alors comment voulez-vous qu'un gouvernement responsable puisse faire un sommet au moment où tous ces problèmes-là sont dans le pays? Vous avez entendu, non? Il paraît que le ministre est allé en Chine et allé voir les pays pathéticiennes. Et les pays pathéticiennes ont pris l'argent, tout ce qu'il avait comme argent dans sa valise, ils ont tout pris, ces documents aussi. Est-ce que vous pensez que c'est normal, ça? Vous pensez que c'est normal et donc nous devons suivre ces gens-là? Non. Nous faisons ce que nous devons faire. Nous le faisons en nous demandant pas si ça va plaire au pouvoir ou si ça ne va pas. Ça ne va pas le faire, donc. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, est-ce que ce que nous faisons peut apporter un léger mieux à la population? Quel est notre objectif? Quelle est notre philosophie? D'accord. Donc c'est le maritime. Vous tous, vous verrez que ça va faire flop. Ça va faire flop. On gaspille les sous
du pays pour des fonctions. Non. Non, non, non. D'accord. Il faut que ça change au Togo. D'accord, il faut que ça change au Togo. Et je le disais, Francis Pedro Amouzou est membre de la cellule de communication de l'Alliance nationale pour le changement, membre de CAP 2015, et il est également vice-président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante au Togo. Il est face à la diaspora et vous pouvez rentrer en ligne au 00 41 62 834 90 80. Je répète, 00 41 62 834 90 80. Eh bien, Francis Pedro Amouzou, vous parlez toujours de stratégie de combat, vous parlez de rapport de force, vous venez de dire que vous êtes en train d'établir ce rapport de force par la mobilisation, vous dites que la lutte populaire est invincible. Là, depuis plus de cinq ans, le peuple togolais, après les élections de 2010, celles de 2015, et les manifestations répétées, jusque-là, on n'arrive pas quand même à rétablir ce rapport de force-là, il faut qu'on le dise sans langue de bois. Alors, l'union de l'opposition semblant quasiment impossible, il faut qu'on le dise également. Est-ce que CAP 2015 pense à une unicité d'action pouvant aboutir à l'obtention du moins des réformes politiques? Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des crabes, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des poissons, il y a des coqs, il y a des poules. Nous sommes dans un pays comme ça politiquement. CAP 2015, regardez bien depuis que CAP 2015 est là. Vous ne voyez pas que l'action de ce regroupement-là est cohérente. Elle est cohérente. Elle ne souffre plus de grinchements de dents par-ci, par-là. Non. CAP 2015 n'est pas fermé. CAP 2015 voudra faire du travail avec d'autres partis. Mais ce que nous ne ferons plus jamais, c'est de mettre dans un même sac les poissons, les crabes, les serpents, les scorpions et consorts. Nous ne voulons plus faire ça. Des gens qui sont opposants uniquement pour aller sur les radios et débiter des inepties, nous ne ferons plus ça. Jamais. On ne le fera plus jamais. Des gens qui sont pros, dès que vous êtes dans l'opposition, ils sont opposants le jour, le matin, opposant le matin et le soir, ils vont fricoter avec le pouvoir en place. Ça, nous ne ferons plus jamais ça. Parce que nous voulons être cohérents dans la lutte et montrer au peuple que nous sommes cohérents. Et c'est cette cohérence-là qui va permettre au peuple de nous suivre. Donc, l'union de l'opposition, et vous savez, moi qui vous parle, je connais tous les partis politiques du Togo. Vous savez que je suis journaliste. Vous savez que je connais la nomenclature de chaque parti politique. Je les ai suivis quand j'étais à la TVT dans les années 90. Je les ai suivis quand j'ai créé mon journal Le Crocodile. Je les ai suivis partout et je les connais un à un. Il n'y a que des beaux parleurs, il n'y a que des mesquins, il n'y a que des gens des ambitieux, il n'y a que des gens qui font tout pour que la lutte profite à eux seuls. Donc moi, je ne suis plus prêt à m'associer avec des gens qui n'ont rien de bien pour le pays, mais qui ne pensent qu'à leur pense. Regardez-les tous. Je vous mets au défi. Regardez-les tous. Tous ceux qui ont fait ça, là, regardez ce qu'ils sont devenus. Non. 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 Quand on fait une chose, écoutez, ils n'ont qu'à travailler sur le terrain. On n'est pas parti politique dans sa chambre. On est parti politique pour aller devant les populations et porter les aspirations de la population. C'est ça un parti politique. Mais être un parti politique est factif, non. Moi, en tout cas, c'est Francis Pedro qui parle. Hein. Je ne suis pas au sommet du parti. C'est le citoyen Francis Pedro qui parle. Qui parle. Alors, c'est tout le monde. D'accord. Je les connais tous. D'accord. Vous êtes face à la diaspora. Nous accueillons ici, même en Suisse, Elom, bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amoser. Vous suivez certainement Francis Pedro sur le développement de la lutte démocratique au Togo, la tournée de sensibilisation de CAP 2015. Est-ce que vous avez des questions à lui soumettre en direct? Oui, justement. Bonsoir, monsieur Pedro, Francis Pedro. Bonsoir, cher ami. Comment vous allez? On va très bien.
Alors, je tiens d'abord à vous remercier pour votre votre bataille lors des présidentielles. On l'a tous remarqué, c'est pas facile. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre dynamisme, la légitimité de votre combat. On vous soutient. J'ai quelques questions à vous soumettre. Bon, parce que la plupart des questions que j'ai sont déjà évacuées. Je constate tout simplement un manque de communication de la part du CAP ou de l'ANC. De l'ANC particulièrement. C'est pas des critiques que j'émets à votre encontre, mais on a besoin un peu plus de communication pour ne pas trop vous critiquer. Parce que vous faites des choses qu'on admire et que, ben, des fois, s'il n'y a pas de communication, on ne sait pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous coûte cette tournée que vous faites? Comme ça, on saurait comment vous dépensez votre argent ou comment le chef de file de l'opposition peut dépenser son argent. Peut-être on dit qu'il n'a pas encore encaissé. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que vous n'avez pas communiqué non plus autour de l'affaire de Wassem qui a impliqué Mme Isabelle Abegavi, un cadre de l'ANC non plus. Et jusque-là, elle ne s'est pas exprimée. On se pose également des questions. Et ma dernière question serait, qu'est-ce que vous recommandez? Vous avez fait des tournées à l'intérieur. Vous êtes au parfum de ce que la population sur place exprime. Quelles seront vos recommandations pour que la diaspora qui veut également vous aider, qui veut aider le peuple à aller ou à réaliser l'alternance, quelles seront vos recommandations sans langue de bois à l'encontre de cette diaspora, ou bien quelles seront vos critiques aussi à l'encontre de cette diaspora, car on vous critique assez, vous avez aussi le droit de nous critiquer ou de nous donner vos suggestions. D'accord. Et Francis Pedro, vous l'avez suivi, hein, il a soumis trois questions, mais on va quand même essayer d'aller pas à pas. Hein. Francis Pedro, allez-y. Oui, peut-être que on ne communique pas assez, mais je crois savoir que nous avons, en tout cas l'ANC au moins, a un site www.anc.togo. Et sur cette toile-là, toutes les informations, nous les mettons au fur et à mesure sur ce site. Ensuite, nous mettons à contribution les réseaux sociaux. Moi, dans cette tournée-là, j'ai envoyé plein d'images, de sons, de papiers sur les réseaux sociaux pour permettre à la diaspora togolaise de se rendre compte de ce qui se fait. Alors, oui, la communication, vous savez qu'elle coûte extrêmement cher. Vous savez, à Lomé, ici, nous avons un gros problème, les médias que nous avons, mais on fait pression sur ces médias-là pour que nous ne puissions pas. Mais nous essayons tous les jours de parler. Hier, j'ai fait une émission moi-même sur ce qui est fait. Je suis en train de vous faire une émission avec vous et je communique. Mais on fera plus. C'est tout ce que je peux dire. On fera plus pour que vous puissiez voir. Aujourd'hui, il est loisible pour vous de nous suivre directement. Quand une manifestation démarre, vous pouvez nous suivre directement. Tout ce que vous voyez sur les sites, nous essayons quand même d'accompagner nos collègues qui sont sur Internet pour que vous puissiez avoir l'information. Alors, nous essayons de le faire. Mais nous allons faire plus si nous avons plus d'argent. Maintenant, combien nous a coûté la tournée nationale? Vous allez avoir un tournis. Nous avons cité une localité. Nous ne sommes pas allés dans les fermes. Parce que si on va dans les fermes, c'est autre chose. Nous avons fait le chef-lieu de préfecture seulement. Nous avons fait le chef-lieu de préfecture. Je vous dis, sans les frais connexes, qu'elle a fait ceci pour aider le parti. Je dis l'ANC seul. Je ne dis pas qu'après 2015. L'ANC seul a fait plus de 12 millions. Elle seule. Plus de 12 millions. Et ça, nous sommes seulement allés dans les chefs-lieux de préfecture. Je vous dis, je vous le répète ici, on doit faire une tournée nationale en bonne et due forme. Ça varie entre 35 et 40 millions. Parce que s'il faut aller dans les fermes les plus reculées avec des voitures qui tombent en panne tout le temps, c'est ce que nous avons. Il ne faut pas penser que c'est de la sinécure, mes chers amis.
nous allons entamer une autre tournée. Elle aussi va coûter, elle aussi va coûter comme ça. Sans compter ce que les d'autres députés donnent gratuitement leur voiture, de l'essence et tout. Si on veut, vraiment comptabiliser tout ça là. Nous sommes près de 20 millions pour aller faire une tournée d'un mois à l'intérieur du pays. Vous voyez? Exactement. Vous voyez? Donc, ça, je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher. Et si la diaspora peut aider à ça, et je le regrette vraiment. C'est vrai, il y a des gens qui se débrouillent et qui font quelque chose. Mais permettez-moi de vous dire que je suis déçu de la diaspora togolaise. Permettez-moi de le dire. Je suis honnête. Quand je parle avec... De toute façon, dans cette émission, on parle sa langue de bois. Je suis vraiment déçu de la... Et moi-même, au moment où quand nous étions au CSP, quelqu'un nous a envoyé 78 000 francs CFA. 78 000 francs CFA. Et avec 78 000 francs, il nous demandait de lui faire des comptes. Et celui qui a demandé de faire les comptes, même, lui-même, il n'a même pas cotisé. Voilà, voilà comment nous sommes. 78 000 francs qui ne nous permettaient même pas d'acheter de l'essence là. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose, on peut cotiser, c'est ce qu'on a, qu'on donne. Mais quand même, je sais ce que la diaspora malienne fait. Je sais ce que la diaspora cap-verdienne fait. Je sais ce que la diaspora d'autres pays, en Égypte, partout, je sais ce qu'ils font. Donc, si on peut aider les gens, sérieux qui travaillent sur le terrain, ça ne serait pas mal. Je ne force personne. Je ne force personne. Je ne force personne. D'accord. Maintenant, l'autre question, on va continuer qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer. On a écouté le peuple. Oui, nous avons écouté le peuple. Et justement, ce peuple parle de révolution, hein, c'est ça. Le peuple dit, mettons-nous dans la rue pour aller réclamer nos droits. Et ça, c'est la constitution togolaise qui le dispose clairement. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons nous mettre en grève, nous pouvons faire des manifestations. Ça, c'est constitutionnel. Vous savez? Alors, ce que les gens veulent que je leur dise, il faut faire comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, si la France n'est pas allée tirer en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'on aurait cette situation-là? Il faut savoir ce qui se passe avec précision avant de faire des propositions. Alors, si vous voulez bien écouter, moi qui suis ici, je sais combien coûte une Kalachnikov. Une Kalachnikov, ça coûte 30 dollars. Et un sac coréen coûte 50 dollars. Vous pensez que des gens qui sont intelligents, quand ils savent qu'avec 30 millions pour faire une tournée nationale, ils peuvent s'acheter des armes qui peuvent régler le problème, vous pensez qu'ils vont pas le faire? Vous pensez que ceux qui sont dans l'opposition que vous les saisissez là, vous pensez qu'ils ne sont pas aussi futiles en intelligence pour savoir que voilà la voie qu'il faut prendre? Hein? Tout à l'heure, je vous donne un exemple patent. Pendant la présidentielle, de pouvoir aller dire à tous les à chefs d'État que c'est l'opposition qui veut casser tout dans le pays. J'étais devant Marama du Ghana et Alassane Ouattara. Ils nous ont dit clairement, on a entendu que vous voulez faire du grabuge. Si quelqu'un fait ça, nous allons l'envoyer à la CPI. Mais si nous n'étions pas intelligents, si le président Favre n'était pas intelligent, on allait mettre les gens dans la rue, on allait nous tuer comme des mouches en 2015, là, après la proclamation hasardeuse de Taffa Tabino, on allait tuer les gens et la communauté internationale allait mettre ça sur le dos. J'ai fait déjà beaucoup de rapports sur Internet que tout le monde peut voir. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous savons. Mais ne pensez pas que, entre vous ici, il n'y a pas assez d'intelligence pour savoir quoi faire. Nous menons une lutte âpre. Mais nous savons que nous allons vaincre. Et ça, je vous le garantis. Même si nous devons trépasser, nous allons vaincre. Alors, j'espère que notre auditeur est l'homme. Elle a suivi vos réponses. Et malheureusement, il n'est plus avec nous. Mais d'autres auditeurs vont rentrer également. Nous avons encore 10 minutes. Et merci quand même pour vos explications très, très, très pertinentes. Nous accueillons cet auditeur. Bonsoir. Bonsoir, M. Amos.
c'est qu'elle apparaît déjà parce que je n'ai pas fait attention puisque j'ai pris du court l'appel. Vous appelez justement de la Suisse, si je ne me trompe pas. Allô? Allô? Oui, j'appelle des États-Unis. Allez-y rapidement. Oui, c'est de la part de M. Payardé. Allez, vas-y, allez-y. Je salue également Monsieur Monsieur Petra Mouzou. D'accord. D'abord, par ma première question. Par leur tournée qu'ils font, je suis parfaitement d'accord de ce qu'ils font. C'est un droit pour le peuple togolais et pour eux-mêmes aussi. Et pour moi, qui est en train de leur parler. Mais ce que je veux lui critiquer un peu, quand nous parlons, il y a certaines choses que, même si vous préparez la sauce et vous n'avez même pas mis un peu de sel, la sauce ne sera pas bonne. Je ne parle pas du cuivre. Mais si quelqu'un fait quelque chose, néanmoins, il faut le qualifier quelque part, un peu. Pourquoi je dis ça? Là, c'est là. Nous avons peu de temps, vous avez encore. Oui, je comprends. Voilà, rapidement, oui, s'il vous plaît, oui. Je suis désolé. Hein. Là, la sécurité maritime dont M. Petra Mouzou est en train de parler, ça concerne vous les Togolais, nous tous. Ça ne concerne pas seulement les gens qui ont organisé cette sécurité maritime. Prenez le G20 que la Chine a organisé. Tous les présidents étaient partis là-bas. Si M. Petra savait ce qui se passe en mer, et tant que moi j'étais marin, et je savais, actuellement je suis aux États-Unis. D'accord. Et quelle est votre question? Je vous comprends. Oui, ma question est que, on critique le gouvernement que pourquoi il a organisé cette sécurité maritime. D'accord. Donc, c'est la sécurité, ce n'est pas seulement en mer, mais c'est pour le pays. D'accord. Prenez Nigeria, le Mali, Niger, ça a été au Burkina. Mais vous croyez que quoi? Et nous parlons aussi. Prenez-moi un peu le temps. Mais vous avez encore 30 secondes. Je vous avais prévenu parce qu'on sera coupé. Prenez-moi, oui, quelques 30 secondes. Bon, parlons de comment l'appelle-t-on, CHU Sylvanus Olympio. On avait parlé de l'aéroport. Les gens critiquaient Excellence pour Sotim Ningasimbe. Qu'il est là, il ne fait rien. Ce n'est pas que je lui défends, mais je ne défends pas. Mais si quelqu'un fait quelque chose, il faut lui qualifier de sa puissance. Même d'accord. Lui qui est en train de parler aujourd'hui, s'il prenait le pouvoir là, il ne peut pas faire ce que... Donc ce n'est plus une question alors, M. Poyodé. Hein. Non, c'est la réalité. C'est d'accord, merci, merci d'avoir participé à cette émission. On va laisser M. Francis Pedro réagir à votre opinion. Hein. Merci, bonsoir. Merci. Aujourd'hui, il a construit un nouveau aéroport, mais les gens ne savaient pas que Komala. D'accord. Merci. On a compris votre position. On va laisser M. Francis Pedro répondre, bien réagir à votre opinion. Il n'a qu'à répondre. Merci. Au revoir. Monsieur Amos, je demande tout simplement, M. Bayadi, de se calmer. Je suis au Togo ici et je sais ce qui se passe. Il parle de l'aéroport. Combien a coûté l'aéroport du Togo? L'aéroport du Togo est prévu pour 75 milliards. Et dans cet aéroport, il devait avoir un hôtel 5 étoiles. Aujourd'hui, l'aéroport du Togo nous coûte plus de 140 milliards. Et nous n'avons pas l'hôtel 5 étoiles. L'hôtel est parti où? Le surplus que nous avons est parti où? Monsieur Bayadi. Foutez-moi la paix. Si vous aimez Fonyasibé, allez avec Fonyasibé, foutez-moi la paix. Foutez-moi vraiment la paix. C'est vous. Vous vous trouvez à manger et vous demandez aux autres de ramper. Sécurité maritime, mon cul. Quand au CHU, il n'y a pas un scanner, est-ce que vous êtes sérieux? À Cara, il n'y a pas de scanner. Vous êtes sérieux? Vous êtes cavier? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux qu'on gaspille de l'argent pour la sécurité maritime au moment où vos frères sont en train de souffrir à Cara? Moi, j'aime les camions. J'ai fréquenté au Nord. Je connais bien la situation au Nord. Donc, ne venez pas nous raconter des conneries. Nous sommes sur le terrain. Revenez des États-Unis. Parce que je sais pourquoi vous vous êtes allé aux États-Unis. Je sais comment vous vous êtes allé aux États-Unis. Ce n'est pas pour comme les autres Togolais. Vous pouvez être aux États-Unis et nous dire... Monsieur Foy, il y a une guerre quoi?
en voulant les choses, s'il vous plaît, en tripatouillant les choses, en permettant à la minorité de s'accaparer les biens de l'État. Allô? Oh là là, j'espère que soit sa batterie a déchargé ou bien le réseau dérange. Et c'est 00 41 62 834 90 80 pour participer à cette émission. Francis Pedro était face à la diaspora, mais nous allons plutôt marquer une pause. On ne sait pas si on peut réussir à l'avoir de nouveau puisqu'il reste encore 4 minutes. Eh bien, merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission sur le 3xw.canalca.ch. Des auditeurs veulent rentrer en ligne et malheureusement, la ligne était un peu occupée. Nous allons quand même tenter d'ici quelques semaines à recevoir des gens qui sont sur le terrain, très actifs par rapport à ce combat démocratique. On va les avoir en direct dans cette émission face à la diaspora. Et comme je vous l'avais dit, dans moins d'une minute, retrouvez-nous plutôt dans Edjo avec B sur Eben Radio et Radio Denima. Bonsoir. Tu as un peu.